quel joueur fut un les amis, quel joueur. Il a encore marqué un but fabuleux face à Brest. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Zaïre Emery. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. C'est fort, on est parti. Alors, les amis, Zaïre Emery, ce joueur est vraiment incroyable. Vous avez vu le but qu'il a encore marqué face à Brest? Un but en plein lucarne, une frappe sèche de plus de 25 mètres. Ça prouve que c'est un joueur qui est en confiance. C'est un joueur qui a la confiance du coach. Lorsque vous voyez un joueur avec une telle confiance, ça signifie que le coach lui fait d'abord confiance. C'est un joueur, il n'a que 17 ans, les gars. Il n'a que 17 ans. Il y a 17 ans, il fait des choses impressionnantes. Il est en terminale. Il prépare son bac. C'est ça qui est même marrant. Donc, c'est un peu dans la lignée de Luis Enrique. Luis Enrique, c'est un entraîneur qui aime lancer les jeunes joueurs. Il a fait avec l'Espagne, la sélection de l'Espagne. Il a lancé les Pedri, les Gavi, et j'en passe. Luis Enrique, franchement, je pense que il va faire progresser ce jeu. Il va vraiment faire progresser ce jeu parce que c'est un entraîneur qui fait progresser les jeunes à l'image aussi de Pep Guardiola. C'est un entraîneur qui n'hésite pas à donner des responsabilités aux jeunes. C'est un entraîneur qui donne beaucoup de liberté aux jeunes. Donc, moi, je pense que sous Luis Enrique et Zaïre Emery, il va beaucoup progresser parce que il a beaucoup de qualités, il a beaucoup de talents. Et lorsque tu vois son temps de jeu est énorme. Luis Enrique lui donne beaucoup de temps de jeu. Et à juste titre, il le mérite. Il a mis les Fabien Ruiz au banc, les Carlos Soler. Donc, ça prouve que c'est un joueur qui a beaucoup de qualités. On lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que c'est un jeu qui va continuer à exploser au très très haut niveau? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.